Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, dans cette vidéo formation, je vais vous expliquer dans un premier temps l'utilisation de la fonction index tout seul, puis de la fonction équive seule, et enfin index plus équive imbriqué, ce qui permet d'avoir une fonctionnalité beaucoup plus puissante que quand ils sont utilisés tout seul. Donc pour ce faire, ici je vous ai fait un petit tableau, d'abord en bleu. Donc, si je regarde, voilà le tableau en bleu que j'ai sélectionné, donc de B3 jusqu'à C6, où j'ai dans la première colonne des périodes, premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième. Dans la deuxième colonne, j'ai des ventes, 2000, 4700, 6700 et 1500. Puis après, j'ai fait une ligne totale avec le total des ventes, et puis meilleure vente, avec ici, pour calculer les meilleures ventes, la fonction max sur mes ventes. Moi, avec la fonction index, je souhaite voir afficher ce que j'ai dans mon tableau bleu en première ligne, première colonne. Donc, si je regarde et que je sélectionne mon tableau, première ligne, première colonne, première ligne, première colonne, j'ai bien ici premier trimestre. Et je souhaite afficher ici ce qu'il y a dans la première ligne et première colonne de ce tableau en bleu. Donc, pour ce faire, je vais taper égal dans la cellule où je souhaite avoir le résultat pour passer en mode calcul fonction et je vais commencer à écrire index. Dans la liste ici, je vois index, je double-clique dessus et je vais utiliser l'assistant fonction fx dans la barre de formule. Je peux utiliser la fonction index sous deux formes, soit sous forme matrice, soit sous forme de référence. Nous, on va l'utiliser sous forme de référence. Je clique sur OK. Il me demande la référence. La référence, c'est une référence à une ou plusieurs plages de cellules. Et si je n'ai qu'une plage de cellules, c'est la plage en bleu, donc de B3 jusqu'à C6 que je sélectionne. Il me demande ensuite ce que je souhaite sélectionner dans ce tableau. Donc j'ai dit première ligne et j'ai dit première colonne. Et vous voyez déjà le résultat, premier trimestre. Donc si j'avais mis par exemple deuxième ligne, donc de mon tableau en bleu, donc première ligne, deuxième ligne, vous voyez que c'est. Et première colonne, c'est deuxième trimestre. Deuxième trimestre. Si j'avais mis 3, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, première colonne, troisième trimestre. Etc. etc. Par contre, si j'avais laissé première ligne, deuxième colonne, je tombe ici sur 2000. Si je change ma colonne 1 et je passe en colonne 2, vous voyez que j'ai 2000. Etc. etc. Numéro de zone, ici je n'ai pas d'utilité, c'est facultatif. On verra dans index 2 ce que c'est l'utilité de numéro de zone. Donc je clique sur OK et il me met bien premier trimestre. Voilà à quoi sert la fonction index seule, donc à récupérer une information dans un tableau. Nous allons voir dans index 2 pour la zone. Donc ici j'ai fait un premier tableau en vert qui sera ma première zone, avec des fruits, des prix et des quantités. Une ligne vide. Et ensuite, un deuxième tableau en rouge, avec toujours pareil, des fruits, des prix et des quantités. Et moi, je souhaite voir dans le deuxième tableau, donc ici en rouge, le contenu de la deuxième ligne et de la deuxième colonne. Donc, première ligne, première colonne, deuxième colonne. Il s'agit de 3,55. Ce que j'ai en cellule B9. Donc, je clique dans la cellule où je souhaite avoir mon calcul, mon résultat. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Je commence à écrire la fonction index. La voici. Je double-clique dessus. Je vais utiliser l'assistant fonction fx et je vais toujours l'utiliser sous forme de référence. Donc, je clique sur OK. Et dans référence, je dois indiquer une ou plusieurs plages de cellules. Donc j'ai une première plage de cellules qui est en verte. Voilà. Et pour sélectionner la deuxième, j'appuie sur CTRL, CTRL, et je vais sélectionner ma deuxième plage. Pour éviter que la fonction index, avec le point-virgule ici, croit que c'est la séparation de ces arguments, je dois mettre entre parenthèses, afin qu'il prend cela comme bien la référence et pas comme une première partie la référence, point virgule, numéro de ligne.
Quand je vais passer à la ligne ici, il va marquer dièse valeur. Il s'agit d'une erreur pour lui, mais concrètement, ce n'est pas une erreur. Donc, voilà. Et j'ai dit que je voulais ici deuxième ligne. Et j'ai dit que je voulais deuxième colonne. Il me met 0,34 parce que je n'ai encore rien renseigné dans le numéro de zone. Donc, par défaut, ici, c'est le numéro de zone 1. Donc, effectivement, si je prends première ligne, deuxième ligne, première colonne, deuxième colonne, on voit bien que j'ai ici 0,34. Par contre, si dans le numéro de zone, maintenant, je mets 2, il va passer dans la zone en rouge, deuxième zone, et cette fois-ci, première ligne, première colonne, deuxième colonne, 3,55, j'ai bien 3,55. Donc, je peux naviguer comme ça, comme vous pouvez voir, 0,34 si je mets 1, 3,55 si je mets 2. Donc, je peux passer d'un tableau à l'autre. Voilà l'utilité de numéro de zone. Nous allons voir maintenant la fonction équive. Donc, j'ai toujours mon tableau ici, avec la partie en bleu avec mes trimestres et mes ventes. Le total est la meilleure vente qui est 6700. Et moi, je souhaite savoir quel était ce trimestre. On le voit que c'est le 13e trimestre, mais j'aimerais voir ici, par exemple, le numéro de ce trimestre. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la fonction équive. Donc, je me mets dans la cellule où je souhaite voir apparaître le résultat. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Je commence à écrire équive. La voici. Je double-clique dessus. Je vais utiliser FX pour passer en mode assistant de fonction. Et je vais maintenant renseigner les arguments. Donc, qu'est-ce que je cherche? Clairement, c'est 6700 dans quelle partie du tableau? Donc, dans cette partie-là. Voilà. Ici, il y a le type. Donc, je peux, comme vous pouvez voir, mettre 1 ou 0 ou moins 1. Mais je peux très bien ne pas renseigner et vous voyez que le résultat est déjà 3. On va voir après à quoi correspond ce type. Donc je clique sur OK, je vois 3, donc je sais que c'est la troisième position qui est le troisième trimestre. Alors, à quoi correspond donc ce type? Donc je vais chercher dans ici dans la zone de recherche de Excel 2016 équive et je vais demander à obtenir de l'aide sur la fonction équive. Il va chercher sur internet, voilà, avec l'explication. Et voyez ici le type. Donc par défaut, c'est 1. Donc si c'est 1, la fonction équive recherche la valeur la plus élevée qui est inférieure ou égale à celle de l'argument valeur cherchée. Les valeurs de l'argument matrice recherchée doivent être donc placées dans un ordre croissant. Si je mets 0, la fonction équive recherche la première valeur exactement équivalente à celle de l'argument valeur cherchée. Donc les valeurs de l'argument matrice recherche peuvent être placées dans un ordre quelconque. Donc ici, j'aurais pu très bien aussi mettre comme argument 0. Moins 1 recherche la plus petite valeur qui est supérieure ou égale à celle de l'argument valeur cherchée. Ici, ce n'est pas le cas. Et comme vous pouvez voir, dans ce cas-là, je dois être en ordre décroissant. Donc ici, j'ai dit, je pouvais très bien avoir soit 1, et voyez que j'ai 3, soit 0, et j'ai toujours 3. Par contre, si je mets moins 1, donc la plus petite, vous voyez qu'il ne trouve rien. Donc moi, je voulais par exemple la valeur exacte, je peux mettre 0. Et enfin, maintenant, je vais coupler les deux, car je souhaite afficher dans la cellule, ici c'est 9, le nom du trimestre. Parce que j'ai vu ici que c'était le troisième position. Mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est non pas 3, mais troisième trimestre. Donc, utiliser la fonction index, comme ici, qui m'a renvoyé l'information. Donc, pour ce faire, par exemple, je vais utiliser l'ensemble des deux. Donc, je vais mettre égal pour passer en mode calcul fonction. Je vais commencer dans un premier temps à aller chercher l'information que je dois prendre, donc index. Je vais l'utiliser en mode ici référence, numéro de ligne, numéro de colonne, numéro de zone. Donc, dans ma recherche,
il s'agit toujours de mon tableau en bleu. Voilà. Je souhaite avoir ici quel trimestre que j'ai besoin. Donc je peux même mettre, enfin prendre tout le tableau, voilà. Point virgule. Par contre, c'est le numéro de ligne que j'ai besoin de savoir. Donc pour avoir le numéro de ligne, je vais utiliser la fonction équive. Équive en recherchant 6700. Point virgule. Dans la colonne ici. Et j'ai dit que je voulais la valeur exacte. Donc comme tout à l'heure. Correspondance exacte 0. Je ferme. Point virgule. Donc j'ai bien eu ici ma référence, mon numéro de ligne. Et je souhaite le numéro de colonne 1. Et je peux fermer et j'appuie sur Entrée. Et vous voyez qu'il m'a dit que c'est le troisième trimestre. Si je change et par exemple je mets ici 8000, vous voyez qu'automatiquement il m'a trouvé que c'était le deuxième trimestre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur les fonctions équives et index et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.